Alors, je voudrais qu'on parle aussi maintenant un petit peu de l'espace. Alors, évidemment, de l'architecture du lieu 1 avec sa pente douce qui devait être celle d'un cinéma, avec laquelle tu as dû t'habituer, hein, peut-être même en jouer, certainement en jouer, de ce sol tout particulièrement plat, très important, parce que je remarque au fil des expositions que tu t'autorises les socles, mais que tu aimes bien que le socle soit le sol. Que la simèse n'est pas interdite, mais qu'elle n'est pas non plus obligatoire. Et en revanche, il y a évidemment scénographie. La scénographie, ce n'est pas simplement faire des cubes, c'est aussi penser la position des œuvres, le dialogue entre les œuvres, le dialogue avec le public, le parcours. Donc, quelle relation tu as à la scénographie au moment où, j'imagine, les œuvres arrivent en caisse? En caisse en bois, peut-être à l'entrée, il y a cet espace vide, il y a peut-être quelques dessins, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Comment tu vis ce temps, qui est un temps où on voit l'expo se faire, hein, on la voit tout doucement. Un matin, on arrive, il y a un peu moins de caisses, et ça y est, on la tient, quoi. Comment tu vis ça? Alors, moi, c'est un des moments que je préfère. Hein. Enfin, je fais tout ça pour... pour le montage. Pour les montages. Non, c'est vraiment pour moi le moment le plus privilégié dont je ne me lasse pas. Hein. Je dirais que c'est vraiment la chose qui me tient le plus à cœur. Et oui, comme tu le dis, c'est plutôt des dessins. Moi, je ne procède pas du tout de 3D ou de choses comme ça. C'est pas du tout mon outil. Voire même maintenant, quasiment plus rien. Enfin, je connais l'espace par cœur. Je suis encore heureusement largement surprise par la puissance et l'existence des œuvres, hein, quand elles sont posées ici. C'est un lieu pour la sculpture, je pense. Oui. Enfin, véritablement, c'est un plateau, hein, c'est un lieu pour la sculpture. Et il est très phénoménologique parce que quand on s'est installé ici, bon, évidemment, on avait un budget réduit, mais en même temps, je ne voulais pas toucher au sol du tout. Je voulais que le sol reste tel qu'il est. Donc, je me suis plutôt battue pour qu'il reste tel qu'il est et qu'il garde les traces des nombreuses activités qui ont eu lieu ici. Donc, on en joue. Les artistes en jouent. Les artistes aiment beaucoup ce lieu. Et c'est vrai que, comme tu le dis, la scénographie est la plus simple possible pour plein de raisons. C'est-à-dire que moi, j'essaye de ne pas construire, à la fois pour des raisons d'économie, d'écologie, mais aussi de pensée, du commerce des œuvres entre elles. Donc c'est plutôt pour moi l'enjeu, c'est-à-dire comment elles vont trouver leur point de connexion. Alors dans cette expo, c'est Sarah qui a pensé largement son exposition, mais je crois, comme c'est son premier commissariat, je crois que je l'ai un petit peu accompagnée quand même. Et pour moi, l'enjeu va être plutôt celui que tu décris, c'est-à-dire du point de connexion des œuvres entre elles et comment... la correspondance des œuvres entre elles propose au public une déambulation, une connexion. Je pense que c'est un lieu extrêmement privilégié pour les publics, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distance. Donc que ce soit les jeunes publics comme les publics ont la chance d'être en connexion très proche, très intime. Rien n'est délimité. Rien n'est délimité. On ne touche pas, mais ce n'est pas marqué. C'est un petit peu marqué, mais pas trop, mais c'est marqué. Que les œuvres sont fragiles, mais on ne délimite pas, on est vraiment presque. Et c'est pour ça aussi que je tenais à garder tous ces strates, c'est qu'on est presque à l'atelier. Donc on est vraiment dans un lieu de travail. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'atelier que presque le public pourrait visiter. Donc il y a une intimité comme ça, je crois, et une grande, grande proximité, une grande porosité. C'est aussi l'avantage des lieux qui ne sont pas trop vastes. Donc, je pense que la visite d'une expo ici n'est pas du tout exigeante, je veux dire, en termes de longueur, de visite, d'attention. Donc, il y a toute cette intimité avec les œuvres auxquelles moi je tiens beaucoup. Alors, j'ai une question, je crois connaître la réponse, mais... Seul le développement m'intéresse, sachant que dans le musée aujourd'hui, on va prendre Pompidou, hein, on privilégie les cartels. Dans le centre d'art, que ce soit ici, Béton Salon, à l'espace Ricard, un lieu dont on reparlera aussi, on privilégie en général les feuilles de salle. J'ai envie de te poser la question, cartel ou feuilles de salle? Moi, je dirais les deux. Les deux? Les deux. C'est-à-dire que je laisse le choix aux artistes. Donc certains ont plutôt souhaité des cartels,
d'autres plutôt feuilles de salle. Je laisse un peu le choix. Et puis, parfois, quand il y a une densité d'œuvres sur un mur, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier la feuille de salle, mais pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire ne pas ne laisser l'œuvre libre de tous ces petits papillons qui peuvent être un petit peu compliqués. Si on a un mur avec plein de petites œuvres et qu'on a un florilège de cartels, ça peut être un peu encombrant. Après, moi, je trouve ça assez confortable aussi en tant que spectateur d'avoir des cartels. Donc, j'ai pas de... On a tous à Venise tourné la feuille comme ça pour se poser la question où était l'œuvre aussi. Voilà. Mais en effet, ça peut aussi polluer le regard du spectateur sur, justement, dans un white cube comme celui-là, avec ses murs parfaitement blancs, ce qui se comprend évidemment tout à fait. Mais c'est vrai qu'on tient beaucoup à la feuille de salle ici, et celle de sur l'expo de Saratrice, c'est très emblématique de ça, hein, parce que 29 artistes, c'est 29 notices, et ces 29 notices ont été écrites par chacun des membres de l'équipe. Donc pour nous, c'est la feuille de salle, c'est ce qu'on partage avec le public, c'est ce qu'on transmet, mais c'est aussi un endroit de travail collectif. Alors, on a comme ça voyagé, entré dans le centre, sorti du centre, donc nous sommes ressortis du centre. Je voudrais qu'on en ressorte sur la question du territoire. Le médiateur ici s'appelle Mathieu. Un jour, j'ai assisté à une de ses visites. Il a commencé à en raconter une histoire que j'ai trouvée très, très belle. C'est l'idée de cet artiste, il y a quelque temps, qui avait été déposé une rose sur les portes des habitants de l'immeuble en face, dont on peut imaginer un pourcentage non négligeable n'était pas forcément venu ici. C'est parfois la distance, elle n'est pas que dans l'espace, elle est aussi de l'ordre de l'habitude ou de la culture. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu attends, ou peut-être même que tu encourages, le fait de se documenter sur ce qu'a été ce lieu, manufacture des œillets, hein, des rivets métalliques, mais aussi de regarder. En plus, là, on a une vue à quasiment 360 sur ce qui nous entoure. On voit ces bâtiments, on devine ces gens qui vivent, on se pose la question d'où ils travaillent. Il y a cette volonté comme ça d'en savoir un peu plus et peut-être même d'encourager les artistes à aller à la rencontre. Là, ce que tu évoques, c'est l'exposition de Shimabuku, donc septembre dernier, qui est un artiste japonais. Et quand il est arrivé ici, donc je n'avais jamais travaillé avec un artiste japonais, ça pourrait sembler lointain. Hein. Pourquoi un artiste japonais au Crédac? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? C'est ça aussi la beauté de notre travail, hein, c'est qu'on arrive à argumenter pourquoi lui plutôt qu'un autre. Et donc, il est arrivé au Crédac sans avoir aucune idée de ce qu'était Ivry, aucune idée de ce qu'était le Crédac. Et la première chose qu'il a vue, c'est cet immeuble à travers la fenêtre. Et immeuble que nous, on voit, que tu vois, que nous voyons. Et sa grande question a été, est-ce que ces gens viennent? Est-ce qu'ils viendront voir mon exposition? Donc, ça a été la première chose. J'ai trouvé que c'était une question géniale. Parce que moi, ça m'était arrivé d'écrire sur les fenêtres. Ça nous arrivait de faire des performances le soir. Et comme ça, vraiment, je ne sais même pas pourquoi, mais j'avais écrit « Demain soir, 19h, regardez. » Bon. Mais je n'avais jamais traversé la rue, ce qui semble quand même assez dingue. Et donc, Shima vient, on visite Ivry, on se balade partout, sur les chantiers, voilà. Donc, Je ne peux pas avoir l'occasion là de développer plus sur son travail, mais il est toujours en connexion avec le contexte. Donc je savais, en l'invitant, qu'il produirait quelque chose lié au contexte. Ça a été le cas. Mais si on revient simplement à ce que tu évoques, quelques temps après son retour au Japon, il m'écrit un mail avec un dessin, avec la façade, et en me disant je n'arrive pas à sortir de ma tête cet immeuble, et j'aimerais pouvoir être en connexion avec les voisins, et j'aimerais pouvoir leur offrir une fleur qu'ils pourraient mettre à la fenêtre, à leur fenêtre, le soir du vernissage, et les inviter à venir au vernissage. Je lui dis, bah oui, on va faire ça. Donc on a fait ça. En l'occurrence, il s'agissait de dahlia rouge, parce que c'était une fleur assez visible, parce que je suis allée voir le fleuriste d'Ivry, en lui disant, je travaille avec un artiste,
il pense faire ça, qu'est-ce que tu penses ? C'était mon fleuriste, il connaît ici, il voit à peu près la distance, et je me suis dit, lui, il est expert des fleurs, donc il va me faire une proposition. Parce que Shima m'avait dit, bah, tu choisis une fleur. Alors je me suis dit, bah, je vais faire comme Shima, c'est-à-dire que je vais demander au fleuriste. Et le fleuriste me dit, tu devrais aller sur un dahlia. Et moi, je pensais blanc, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, mais non, blanc, on ne verra rien, donc rouge. Et puis, c'est assez conséquent et ce n'est pas très cher, parce que cette question est toujours dans nos questions, la question économique. Et c'est une fleur de saison. Donc, évidemment, tous les bons arguments. Donc, on a fait ça. On a invité, donc je suis allée voir les... Parce que ça, je le fais moi. Enfin, ça fait partie pour moi de ma pratique curatoriale. C'est-à-dire, je ne dis pas à mon équipe, allez voir les voisins, allez voir les gardiens. Je le fais moi, parce que ça m'est nécessaire. Donc, je vais voir les gardiens. Puis c'était fin août, alors c'est bien, les gardiens ils sont dehors, c'est plus facile aussi, donc on parle. Donc j'ai les codes, je rentre, je peux mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, je peux calculer combien de familles vivent ici. Bon. Et puis ensuite, j'embarque Mathieu dans mon histoire et on invite tout cet immeuble à venir la veille du vernissage pour rencontrer Shimabuku. Donc on organise un apéro, évidemment trois personnes viennent. Donc on est un peu déçu, mais en même temps pas très surpris. Et puis Shima me dit, qu'est-ce qu'on va faire alors pour pouvoir leur offrir ces fleurs, qu'est-ce qu'on fait? Donc on réfléchit, et puis le lendemain matin, il me dit, tu sais Claire, le mieux, c'est qu'on organise tout, le petit vase, le scotch, pour qu'ils aient rien à faire. On leur remet tout ça dans un petit sac en craft, sur leur paillasson. Et comme ça, le soir, quand ils vont rentrer, ils l'auront, et puis on verra s'ils le posent. Donc on fait ça. Donc on repart, on était un peu inquiet que les gens s'inquiètent d'avoir des cadeaux, parce qu'on est dans une époque où on nous fait très peu de cadeaux, donc on avait peur que les gens s'inquiètent, mais non. Et puis le soir du vernissage, on voit apparaître une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs, et sur il y a à peu près 28 familles. Il y avait 18 fleurs aux fenêtres, donc on s'est dit, voilà, gagné banco. Et puis 10 personnes sont venues prendre un verre, voir l'expo de Shima, et puis d'autres regarder par la fenêtre. Et donc l'interaction s'est faite comme ça. Et j'ai trouvé assez beau, et je pense que Shima en refera, fera quelque chose avec cette... parce qu'il a fait des photos du coup de tous les paillassons, avec les fleurs, parce que tous les paillassons étaient différents, etc. Donc ça, c'était une partie de son projet. Et ça fait partie des projets, je dirais, d'interaction avec le territoire de manière poétique qui me tiennent à cœur. Alors, je t'imagine au bout de la rue Raspa et chez le fleuriste en train de te poser la question de la fleur. J'aime l'idée que tu délègues évidemment, mais qu'il y a des choses que tu ne veux pas déléguer, ce qui me fait penser au profil d'Ami Barak sur un réseau une association de curateurs où il dit quelque chose comme le curateur, c'est aussi quelqu'un qui peut passer le balai. En fait, on s'imagine souvent que c'est un manifeste, mais ce n'est pas que ça, et c'est aussi fait de détails. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est, pour moi, c'est ça, hein, commissaire. C'est-à-dire que. Toujours pour revenir à Shimabuku, il m'avait demandé d'aller chercher de la terre, donc dans 6 ou 7 endroits d'Ivry. Alors, pareil, je lui dis, mais dans des sites spécifiques, historiques, ou avec un problème d'écologie, ou quoi. Il me dit, tu connais ton territoire, donc tu choisiras. Ok, donc il me délègue complètement. Et donc, j'ai choisi, 6 endroits qui me semblaient avoir du sens. Et après, je lui dis, tu veux que je te dise lesquels? Il m'a dit, non, je te fais confiance. Quand je viendrai, tu me raconteras. Et je lui dis, mais tu veux que je t'emmène après, voir? Il me dit, non, tu me racontes, ça me suffit. Et donc, ça, pareil, je suis allée chercher, moi. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est juste que la pratique curatoriale, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... c'est être, je dirais, le prolongement de la main de l'artiste, s'il faut, ou de sa pensée, en tout cas de se mettre en connivence avec lui, en collaboration. Et c'est hyper joyeux.